Parce que voilà, même dans l'école de Kundalini Yoga où j'ai été formée, en fait, tout le monde ne fait pas la sadhana du matin, en fait. Et mon mentor spirituel, Anand Charabi, qui est vraiment le concepteur de cette école du tantra, eh bien, propose, enfin, nous dit en fait, ce qui est important, c'est la régularité. Donc, il nous a proposé de réduire notre format pour ceux qui ne pouvaient pas le faire à 30 minutes, en fait. Mais le plus important, c'est la régularité. Quand on lâche la croyance de la contrainte qu'est la régularité, en fait, la quintessence, elle se trouve dans la régularité. Si vous apprenez une chanson et que vous la connaissez pas très bien, ça va être mental. Et à un moment donné, vous connaissez bien cette chanson, même si c'est qu'une chanson de 3 minutes, et là, vous la sentez, vous la vibrez à l'intérieur. Eh bien, avec les techniques corporelles, quelles qu'elles soient, c'est la même chose, en fait. Et moi, j'ai dit OK, au Samadhé, parce que déjà, j'ai un désir, comme toi, Jeff, de contribution au plus grand nombre. Et puis, oui, le format de 30 minutes, il est génial parce qu'il est accessible pour tous, tous les jours, et quel que soit l'âge, en fait. Et ce que j'ai particulièrement adoré dans la proposition que tu faisais, c'est ces différents univers. Parce que, OK, c'est mon outil, c'est mon tempérament, le Kundalini Yoga. Ce n'est pas le cas pour tout le monde et tout le monde ne peut pas se dire ah ben, je vais faire ça tous les jours. Mais il y a tellement de propositions d'autres univers qui vont forcément correspondre à un tempérament que là, chacun peut avoir sa clé. Et le fait que ce soit en replay, bah, si c'est ça ma clé, bah, pas grave, je vais faire la même routine tous les matins de la semaine si vraiment je ne supporte pas les autres. Mais à la fois, si je me rends compte que j'ai des tempéraments dans deux, trois possibilités, bah, je ferai deux, trois routine avec les différents profs en question. Puis si vraiment j'ai une envie de découverte et tout me fait du bien, bah, je fais toutes les routines dans ces différents univers. Et c'est ça que j'ai apprécié. C'est la diversité, le format court et vraiment le moment privilégié qu'on passe avec soi-même pour vraiment se donner de l'attention. Et là, je vais même aller plus loin. Je fais une expérience en ce moment. Je suis en train d'apprendre une nouvelle langue. Eh bien, je me rends compte que le temps de disponibilité que je me donne à moi-même pourrait vraiment être en forme, ça fait que j'apprends encore plus vite. Et donc là, j'apprends à une vitesse hallucinante quand je compare à avant, comment j'apprenais. Et c'est comme si j'avais changé d'esprit. J'apprends d'une autre manière pour d'autres raisons qui sont moins scolaires, en fait. Et je crois que c'est ça dans toute ma vie aujourd'hui. Mais grâce à ces techniques qui mettent en corporalité, en vitalité, en santé, en disponibilité. C'est pour ça que moi j'ai dit oui au Samadhé, en fait. Je trouve ça génial.